Le cégep de Chicoutimi, c'est l'un des plus vieux cégeps au monde. Nah. Ben oui, je te jure. 14 juillet 1967, c'est la fondation du cégep. Puis si tu regardes plus attentivement, tu vas voir que ce document-là, approuvé par l'honorable Hugues Lapointe, lieutenant-gouverneur du Québec, ben ça commence d'une façon vraiment familière. Comme je voulais mieux connaître les débuts du cégep, je me suis mis à la recherche des premiers finissants. Je cherche une Christiane Perron finissante de 1969 du cégep de Chicoutimi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi en 1969. Hey, c'est ta femme, là. Oui? Pourquoi vous l'appelez? Ah, il n'a pas été au cégep en tout. Mes recherches n'ont pas été faciles. Je suis même tombé sur un monsieur qui portait le même nom qu'un des finissants. Mais finalement, c'était pas celui que je cherchais. Ça l'a quand même pas empêché de me donner des conseils pour mes amours. T'es en amour avec, hein? Ben oui. Aime-la, puis moi, je dis à ma femme, à tous les jours, je t'aime de plus en plus. En fait, on va essayer de saisir et de définir le Collège de Chicoutimi par les forces qui convergent vers la formation de l'étudiant. Le cégep de Chicoutimi est particulièrement fier d'être l'héritier de la culture et de la tradition d'une institution plus que centenaire. Je pense évidemment au séminaire de Chicoutimi qui a été longtemps un fleuron dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vrai que le cégep n'est pas tombé du ciel. Oui, le séminaire de Chicoutimi, c'est un gros morceau, mais il y avait d'autres ancêtres. L'école des infirmières, l'école de commerce, l'Institut de technologie, le Collège du Bon Pasteur, l'Institut familial du Bon Conseil, l'École normale Cardinal Bégin. Toutes des institutions qui se sont réunies à l'initiative du gouvernement pour créer un lieu d'enseignement moderne, puis ouvrir la porte à plus d'étudiants. Ah, c'est agréable de se replonger. Est-ce qu'on me reconnaîtrait sur la rue? Oui, quand même. Il y a quand même un air, oui. Quand même pas beaucoup changé. Mon chum de l'époque. Ah, ben, gardons, comment ça s'appelle? Jean-Yves Belmoir. Ah, Jean-Yves Belmoir. Mon copain de ces années-là. Ah, ben c'est des beaux souvenirs. Vraiment des beaux souvenirs. C'est fun, hein? Oui. Moi, mon rêve, c'était de devenir architecte. Mon père était urbaniste. Je rêvais beaucoup de ça. On a pensé que c'était plus sage de commencer par une technique. Puis j'ai commencé le cégep à l'ouverture. Pour moi, c'était une opportunité incroyable. J'échappais... la profession d'infirmière, d'enseignante, ce que mon père et ma mère rêvaient que je sois, évidemment. C'était ça qu'on avait comme proposition à l'époque pour des personnes qui étaient moins nanties, qui ne pouvaient pas aller à l'université. On était contents aussi de se retrouver dans un milieu de jeunes. Puis les garçons, ils viraient fous, là. Ils étaient dans un milieu de jeunes où il y avait accès. C'était des gars habituellement qui allaient en sciences. C'était rien que des gars, rien que des gars, rien que des gars. Mais là, il y avait ici au cégep plein de filles. C'était l'aspect de liberté, d'ouverture des esprits, du mélange des jeunes ensemble. Le gros changement, ça a été la liberté. Le cours classique était structuré de cette façon-là. On avait tous des cours obligatoires. On n'avait aucun cours optionnel. C'est vrai. Alors qu'on peut choisir pas tous les cours, mais un bon nombre de cours une fois rendu au cégep.
Et moi, j'ai pas de mauvais souvenirs en tant que telle. Je dirais de mauvais profs au niveau du cégep, de déceptions. J'en ai beaucoup plus des années avant. C'était l'espoir d'une ouverture pour les filles dans ce temps-là. C'était ça pour moi le cégep. C'était un espoir de pouvoir réaliser n'importe quoi, ce que tu veux. Choisis-le, tu peux le faire. Comme on a peur de rien, on a transformé nos anciennes finissantes en reporters, le jour de la rentrée. Je suis de la première mouture des cégeps en 1969. Je graduais. Ah, génial! Vous êtes étudiante ici au cégep? Je te dis, il y a 50 ans, j'étais toute seule de fille en technique de génie civil et architecture. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous en venir ici pour la deuxième année? Parce que je voulais découvrir du monde, le pays, voyager, tout ça, rencontrer des gens, une culture. Je te souhaite de passer une belle période d'études. Merci! Est-ce que ce sont tes amis? Oui! En 50 ans, les raisons d'aller au cégep n'ont pas tellement changé. Les cheveux se sont allongés, ont raccourci. Les barbes sont parties, sont revenues. En 50 ans, on a construit, on a détruit, rénové, agrandi. Tout ça pour quoi? Ben moi, c'est sûr, j'aimerais ça retourner dans mon coin à Fermont. Travailler pour la mine, ça serait... Je dirais, c'est pas mal ce que je veux, là. C'est sûr, c'est des bons emplois, j'ai mon petit monde là-bas. C'est loin, mais on a une petite ville, puis on aime bien ça, fait que c'est ce que j'aimerais. Ben, bienvenue à Chicoutimi, et bonne chance pour l'avenir. Je vous souhaite vraiment, vraiment un beau semestre, et peut-être... Oh! Mais ce qui fait battre le cœur du cégep aujourd'hui, c'est le même beat qu'en 1967. L'espoir d'une vie à son goût, l'envie de faire son propre chemin, de prendre son envol. Yo, 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 yo.